Bonjour, donc je suis François, je suis à Saint-Germain depuis 2011, où j'étais auparavant effectivement quelques années en Allemagne, et puis on est revenu avec la famille s'installer ici. C'est à cette occasion effectivement je travaille moi dans l'univers de la banque. Je suis ce qu'on appelle un banquier maintenant senior vu les temps de crise. Et je suis venu à la clé tout simplement en inscrivant mon fils cadet pour du chant et de la guitare. En l'inscrivant, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Je me suis inscrit donc pour de la basse, puisque c'est un instrument que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la clé. Et donc, à la clé en tant que bénévole, eh bien, alors je ne sais pas, ce sont peut-être des questions qui sont proposées, c'est-à-dire en découvrant ce lieu où finalement, même quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, passer la quarantaine, puisse démarrer un instrument et en fait me rendre compte que finalement c'était un endroit très précieux, dans le sens où c'était un endroit finalement, de rencontre, où tout était possible et finalement où plus on en donnait, plus on en recevait. Et donc effectivement, je me suis investi en me disant voilà, c'est un endroit préservé, donc tout d'abord comme administrateur, enfin pardon, comme délégué associatif, puis ensuite administrateur, et puis naturellement de par mes compétences professionnelles, là où je pense que je pouvais apporter le plus, c'était dans la partie plus finance. Donc après 3 ans, je suis rentré au bureau comme trésorier adjoint. Depuis l'année dernière, cette année c'est mon deuxième mandat, je suis trésorier de la clé. Beaucoup de choses. De la musique, évidemment. La musique, je suis un passionné d'histoire, donc évidemment, la collection va avec ça, voilà. Je vais répondre de façon très simple. Je suis plutôt quelqu'un de passionné, donc j'essaye de prendre du plaisir, parce que je pense que dès le moment où on est passionné par quoi que ce soit, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, j'essaie d'en profiter. J'apprécie les choses qui ont finalement de la valeur. Et je pense que la clé est quelque chose qui a une grande valeur parce que c'est dans une ville comme Saint-Germain-en-Laye, qui est à la fois proche, mais pas trop de Paris, ça permet de fixer un lieu de culture, de rencontre, de gens de tout horizon, de toute génération. C'est ça qui est génial. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce qu'évidemment, le passionné d'histoire dirait pouvoir appuyer sur le bouton stop et rewind, retour en arrière pour pouvoir changer. Maintenant, effectivement, en tant que bassiste, pouvoir jouer comme voilà, les Marcus Miller, les Avishai Cohen, etc.